foutu. Le lavage de cerveau de Meryl va s'estomper, hein. Normalement. Il faut clipper, là. Mais pourquoi là. Vous êtes évertué à la sauver? Pour Campbell? Ou serait-ce parce que vous l'aimez bien? Je n'aime pas voir une femme mourir devant moi. Ah bon? Parce que la mort des autres vous gêne maintenant? Non, oui. Ce n'est pas parce que Snake a tué beaucoup de gens qu'il n'a pas une âme et un cœur. Merci, les gars. C'est rien. Elle a raison. Yo, ça tue. Donc, tu t'es servi de l'autre. J'étais incapable de prédire le futur. Un homme fort n'a pas besoin de lire l'avenir. Il le construit lui-même. Putain, mais ça c'est une réplique à la Snake. Mais maintenant, je peux lire ton futur. Au hangar souterrain où est entreposé le Metal Gear, il te faudra emprunter la porte cachée derrière l'étagère. La route extérieure est bloquée par les glaciers, dépasse les tours de communication. Ensuite, emprunte le chemin de la tour. Pourquoi tu me dis tout ça? Je peux lire l'âme des êtres. Tout au long de ma vie, j'ai scruté l'âme de milliers et de milliers d'hommes et de femmes. Ah, c'est horrible! Yannick, ah, c'est horrible. Tous les hommes dont j'ai lu les pensées avaient la même obsession de possession. Un désir égoïste et atavique de se transmettre leurs semences, à vous rendre malade. Chaque être vivant de cette planète n'existe qu'en vue d'une propagation instinctive. Nous sommes ainsi programmés. Et c'est ça, la cause de la guerre. Mais toi, tu es différent. Tu es différent. Tu nous ressembles. Nous n'avons ni passé, ni futur. Nous ne vivons que l'instant présent, et c'est tout. Les humains ne sont pas conçus pour s'apporter le bonheur. Dès la minute où nous arrivons dans ce monde, notre destinée est de nous blesser et de nous détruire. Mon père est la première personne dont j'ai vu les pensées. Dans son cœur, je n'ai lu que haine et mépris pour moi. Ma mère est morte en me mettant au monde, et il me haïssait pour cela. J'ai pensé que mon père voulait me tuer. Mon futur allait disparaître. J'ai également perdu mon passé. Quand j'ai repris conscience, les villages s'envolaient, mais... Es-tu en train de dire que tu as brûlé ton village pour enterrer ton passé? Je vois que toi aussi, tu as subi le même traumatisme. On est vraiment les mêmes, toi et moi. C'est la présence de gens comme toi qui rend le monde intéressant. Et je n'ai jamais adhéré à la révolution du patron. Je n'ai pas son ambition de conquérir le monde. Je cherchais une excuse pour tuer le plus de gens possible. Voilà. Laisse-le parler. Son temps est compté. J'ai vu le vrai visage du diable. Diable. Ah, Snake. Tu es comme le patron. Non, puis, comparé à toi, je ne suis pas si mal. Oh. Je lis aussi dans ses pensées. Celle de Meryl? Tu y étais. Tu possèdes une grande place dans son cœur. Une grande place? Oui, une grande place. Le fan, tu sais.
mais j'ignore si vos futurs se rejoignent. Un dernier souhait. Je t'écoute. Remets-moi mon masque. Ok. Sans mon masque, je subis l'assaut des pensées des autres. Quand je mourrai, je ne veux passer mes derniers instants. Je suis bloqué. Avec mon âme. Dégage! Je suis bloqué! Pourquoi tu t'arrêtes? Moi, je pète les caps, je suis pas. Ah non, je suis pas. Il est où? J'ai pas pété les caps. Muskine, psychomantis. Tu resteras dans l'histoire, psycho. T'es complètement psychomantis. Un des ennemis les plus charismatiques de... Je suis désolée. Beryl. De la saga. Comment ai-je pu laisser Mantis me contrôler ainsi? Si tu doutes de toi, je te laisse ici. Sans pitié. Tiens, Snake, tu vois la rhétorique qu'il faut. Ne doute jamais de toi. Deviens simplement plus forte et retiens la leçon. Tu as raison. Bien sûr. Je suis désolée. Snake, là, tu as raison. Déconne pas, fillette. Snake, je peux te demander un truc? Vas-y. Quoi? À propos de ce que Mantis a dit. Ouais. Je me demandais... Quoi? Quel est le problème? Quel est le problème? Non, rien. Voilà, rien. Ferme ta gueule. Alors, dis-moi, Snake. Quel est ton nom? Ton vrai nom? Mon vrai nom? Au combat, un nom ne veut rien dire. Quel âge as-tu? Assez vieux pour savoir à quoi ressemble la mort. De la famille? Non. Mais j'ai été élevé par de nombreuses personnes. Les réponses sont trop pétées. Quelqu'un qui tu tiens? Écoute, la vie des autres ne m'intéresse pas. C'est donc vrai que tu es seul? Mantis avait raison. Les autres compliquent ma vie. Je n'aime pas m'impliquer. Tu es triste et tu es seul. Allez, on y va. Lourd. On va sauvegarder Tug. Ah ouais, là on va sauvegarder Tug. Mailing, fais pas chier. Commence pas à parler trop. Laisse-moi sauvegarder et commence pas à me sortir des proverbes. Parce que là, Tug nigga life, nigga Tug life. Je vous en prie. J'ai pas le temps. Franchement, ce jeu il est exceptionnel, je dirais exceptionnel dans tous les sens. Ah, le clip.